Alors salut à tous, ici pour une nouvelle vidéo de Team Champy pour mon nouveau stock de deck que j'ai tout acheté ça à la source du sport. Comme vous pouvez voir, on va commencer ça. J'ai acheté dégâts Warrior, un Chaos Bower, des Bad Bower, une coquille, deux tapes, un pour le bâton, un pour les pads, puis un bâton CCM vraiment magnifique. Je l'adore. J'ai acheté ça chez la source sport, encore une fois, comme je vous dis. Allez faire le tour, c'est vraiment magnifique comme magasin de sport. C'est vraiment mon préféré. Alors, on va commencer tout ça par une petite dédicace à la pile ou face. Je veux dire, c'est en arrière de la source sport. Dans le fond, moi je m'inscris là. Vous pouvez voir, vous vous inscrivez où vous voulez. C'est un petit pamphlet. Je vous répète, c'est pile ou face. Pile ou face. C'est là que je m'inscris pour jouer au deck. On va commencer ça avec mon casque. Mon casque Bower. On voit, c'est un casque Bower tout à fait normal. True Vision qui est écrit. On voit le prix. Ici, vous pouvez voir le prix. 49,99. C'est vraiment un bon casque. Je le trouve vraiment léger, vraiment confortable. Ici, au menton, c'est vraiment, vraiment confortable. On va le mettre là sur le côté pour le moment. On va poursuivre avec mes pads. Mes pads, ça c'est des pads Bower comme il est écrit sur le côté. On voit, c'est des vraiment belles pads, vraiment bien. Je vais ouvrir ça pour regarder qu'est-ce qui est écrit. Attends, avant on va lire en arrière. Performance jambière. Conception profilée, protection des joints du tibia et du genou. Doubleur en maille de filet respirante. 3 sangles avec formule réglable. Rembourrage supplémentaire sur la cheville. Bower Hockey Incorporation. Alors, on va aller voir mes pads que j'ai achetés. On voit, c'est des vraiment belles pads. 33 cm, 13 pouces pour ceux qui comptent plus en pouces. C'est des pads Bower. Comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus, parce qu'au magasin on en a vu plusieurs, puis je me suis rendu compte que Bower c'est vraiment la meilleure marque pour le moment dans les pads. J'ai essayé des CCM, j'ai essayé je sais plus trop c'était des quoi, j'ai essayé vraiment beaucoup de marques, mais vraiment CCM pour le moment c'est qu'est-ce que je préfère le plus. Vous pouvez voir l'emballage, il n'y a rien écrit très important, vous pouvez voir le prix ici sur le côté en bas. Et voilà. En arrière, juste des écritures. Qu'est-ce que je vous ai lu était là, tantôt. Sur le côté, d'autres écritures. Et puis le code barre, c'est pas trop, trop grave. On va mettre ça de côté avec le reste pour le moment. Maintenant, on va poursuivre avec la coquille, très important. Au deck hockey, si tu veux avoir des enfants plus tard, comme le gars, le vendeur m'a dit. Et puis, on va continuer. J'ai du tape large pour standard, pour taper mon bâton que je vais vous présenter après. J'ai du tape à pad aussi pour mes pads Bower que je vous ai déjà présenté. Et puis, finalement, pas finalement, parce qu'il y a encore mon bâton, mais vraiment, 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 vraiment. Qu'est-ce que vous devriez acheter? C'est des gants Warrior. Vous voyez, il est écrit sur le côté Warrior. C'est des gants pour le deck hockey. Exactement. On voit vraiment des trous d'aération un peu partout sur le côté. Vous pouvez voir la signature. Rebel Next. C'est vraiment des gants magnifiques. Moi, je les ai pris un peu trop grands pour moi. Je vais vous montrer. C'est des 13 pouces, ici sur le côté, c'est des 13 pouces. Mais moi, j'aime mieux jouer avec vraiment plus, un petit peu plus grand. Vous pouvez voir, c'est pas vraiment beaucoup trop grand, c'est juste un pouce peut-être, un peu moins. On voit ici mon autre gant, ben pareil quoi. Et puis, on peut voir le prix. Sérieusement, je les ai payés 79. Ces gants-là sont 90 d'habitude. Sérieusement, je pense que c'est un bon engagement. Avec ces gants-là, tu peux au moins faire toute la saison. C'est avant qu'ils se crappent, sérieusement.
Tu vois, il y a la grip tape pis tout. Je les adore, vraiment, je les adore. On va passer aux dernières affaires que j'ai achetées. C'est mon bâton CCM. Comme vous pouvez voir, il est écrit CCM sur le côté. Et puis, tac, 4052 ici. On voit ici les petites écritures. 85 flex grip, Rossa, P40. Vous voyez, je ne l'ai même pas encore tapé, ils viennent d'être achetés exactement. Et on voit le prix tout à fait magnifique pour ce bâton de bonne qualité. On voit le prix n'est pas si cher que ça. Sérieusement, pour le deck, je vous conseille vraiment ce bâton. Il est assez léger. Pour le deck, il va au moins se scraper à la palette. Il a une petite couche de... Ici, là, où vous voyez le jaune. C'est fait dedans un peu plus dur pour le deck hockey. Je suis sérieusement très 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 content de mon bâton et depuis toutes mes affaires. Comme vous pouvez voir, je vous le redis, allez vous inscrire au Pelofas à Granby. C'est vraiment magnifique comme place. On a 7 decks hockey à Rennes. Ou allez à la source du sport juste en face. Merci pour cette vidéo et moi je vous laisse sur ceci. Sur une vue d'ensemble d'affaires. Alors, je vous dis merci et on se retrouve sûrement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!